aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon sac d'école, à part les cartables, les choses comme ça, et dans mes coffres à crayons. Donc, je vais commencer par mon sac d'école. Je vais rattacher le foulard qui venait avec. Donc, mon sac, je l'ai pris chez Spring. Il coûte 45$. Donc, là, j'ai une veste ici à manches courtes. C'est parce que je vais aller travailler. Là, j'ai du déodorant. Donc, moi, je prends le secret. Mais... ça marche pas vraiment bien pour moi, je préfère les dispositifs, ça me fait sentir en dessous des bras ça. Parce que j'ai beaucoup d'hormones, tu comprends. Là, il y a ma carte dans mon travail. Là, j'ai de la gomme. Ok, parce que moi, je suis vraiment freak de gomme. Puis la seule gomme que j'aime, celle-là, il est fermé, mais j'ai un paquet ouvert. Hein. C'est la gomme 5 cobalt. Si jamais vous voulez faire un cadeau. Ok. J'ai un peigne. Pas pour me peigner les cheveux, parce que je me brosse jamais les cheveux. C'est pour les crêper, là. J'ai acheté chez Walmart. Quelle marque? Oh, il y a une marque. Mais soit qu'il y en avait... oh, oui, ici. AC. ACE. Ouais, j'ai pas tant d'affaires que ça. Hein. Sinon, un petit parfum, au cas où je me suis pas mis Miss Dior Cherry ce matin. Ou que... ben, je le mettrais jamais si j'en ai déjà mis l'autre parce que tu mélanges pas un parfum. Mais, tu sais, si jamais tu sens moyen bonbon... Puis ça, c'est le Neo Natura. C'est le fun parce que c'est une bouteille amusante. Ça sent comme les acrylamides. J'ai un Sharpie parce que j'adore les Sharpies. Noir, tout simple. Ici, j'ai mon chose de maquillage. Je peux pas parler aujourd'hui, ok? C'est comme zébré. Puis à l'intérieur, c'est rose. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai mon Kabuki de Sigma. Ça dépend de ce que je suis. Si maintenant je vais à la toilette, je vais mettre ma poudre avec. Sinon, je vais utiliser la petite rondelle qui vient avec ma poudre. Parce que. Ben, si j'ai une poudre qui vient avec. J'ai ma poudre Fit Me. J'ai mon. Ah, oh, j'ai ça ici. Si jamais j'ai envie d'être plus rocky. C'est Just Belin de Revlon dans la couleur Minuit. J'ai un lip butter de Revlon. C'est la couleur Cupcake 055. J'ai un bon pour les lettres de Burt's Bees. J'ai mon eyeliner parce que je me frotte les yeux des fois que ça l'efface. J'ai le Master Drama de Maybelline pour les côtés de mes yeux. Puis si jamais je veux m'en mettre le waterline pour être encore une fois plus. J'ai le Pink Pout de Revlon que ça fait deux fois que j'achète, ok. Puis fucking à chaque fois, il se casse là, ici. Genre, ok. Ça me fait tellement chier là. Mais il est vraiment beau, fait que comme... Mais l'autre fois, il était tombé à terre. À mon travail. Parce que genre, je l'avais apporté pour qu'une fille à mon travail l'essaye, là. Parce que je trouve que ça irait sûrement bien avec elle. Fait que ça pourrait, genre. Puis à l'ouvert, genre. Puis il est tombé, comme. Mais je comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est pas ta faute parce que lui avec, il est cassé. Fait que j'étais tellement fâchée, là. Mais en tout cas, lui au moins, il est pas tombé par terre. Puis j'ai le Babyliss de Maybelline dans la couleur Pink Punch. J'aime pas les choses roses. Puis j'ai mon petit miroir que j'ai acheté chez Forever 21. Il est vraiment cute. C'est un deux miroirs, mais les deux sont dans la grosseur. Là. Je sais pas pourquoi il y en a deux ensemble, mais en tout cas. J'ai aussi mon vieux crayon de Marcel, mais il est comme pas mal fini. Puis j'ai deux bobby pins dans le fond. Fait que c'est ça que j'ai dans mon chose de maquillage. J'amène tout ça, même si je vais manger chez moi, puis dans mon maquillage. Mais ça, c'est surtout pour mon travail, là, parce que j'en viens pas manger chez moi quand je suis à mon travail. Là. Et, sauf que. Quand je suis à mon travail, là, j'ai vraiment chaud parce que vous savez, les amis, je travaille très fort. Puis, non, mais je cours souvent partout, comme, parce que je suis très dynamique. Puis, là, j'ai chaud, puis ma peau est oilée, puis j'aime ça, je trouve ça dégueulasse, parce que j'aime ça toucher mon visage. Puis là, quand mon visage est oilé, j'ai l'impression que je bouge le fond de teint, puis ça, ça m'écœure vraiment. Ah, j'ai aussi mes lunettes de soleil que j'ai achetées, tu sais, à McGill, ok, pour ceux qui vivent à Montréal. Tu sais, au métro McGill, quand tu sors, il y a comme un monsieur qui va en plein avoir devant les têtes de la mode. 5$. Mais c'est qui DJ, là, genre? Mais c'est vraiment pas Dolce & Gabbana. Puis je les trouve vraiment cool. J'aime ça, ils les mettent de même aussi, des fois, pour que. On voit mes expressions faciales dessus aussi. Ok. Ils sont comme verts, puis je les avais achetés pour qu'ils matchent avec mon sac vert qui s'est cassé, les amis. J'étais vraiment triste. Ensuite, dans la petite poche qu'il y a dedans. J'ai les pilules. Puis là, j'en ai pas encore mis, mais je mets des tampons et des sanitaires parce que vous savez, je suis une femme.
Donc ensuite, dans la petite poche en avant, j'ai mon portefeuille que j'ai pris chez Bentley. Dans mon portefeuille, j'ai ma carte d'autobus. Donc ça, c'est la carte d'autobus de Montréal. C'est la carte d'autobus, c'est la puce. C'est vraiment fun, ça. J'ai un mètre de chez IKEA parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que je pourrais savoir si j'ai grandi. J'ai ma carte de débit que je ne montrerai pas aller devant. Je ne sais pas trop pourquoi, là, mais en tout cas. Puis là, j'ai full carte. Ok, genre, puis je sais pas pourquoi je garde tout ça avec moi tout le temps. Mais en tout cas, j'ai la carte SPC. J'ai une carte cadeau Walmart. J'ai une carte cadeau Renouvelé. J'ai une carte cadeau Ardennes. J'ai une carte cadeau Beauty Insider. Pas carte cadeau, j'ai la carte Beauty Insider, c'est fort. Une carte que je vais pas vous montrer parce que ça va avec mon travail. Puis j'aime pas ça quand ça sache que je travaille. Puis j'ai la carte Optimum de chez Pharmaprix. Qui est 18 ans et plus. La vie m'a même pas demandé mon âge, fait que je l'ai. Fait que c'est ça, puis j'ai un petit peu d'argent aussi, mais moi je garde vraiment jamais d'argent comptant sur moi, ce que je devrais faire parce que c'est mieux. Puis sinon, j'ai des écouteurs, puis mon iPod, ça c'est l'iPod Nano. Dans quel sens? Comme ça. Ok, c'est vraiment cool. Pourquoi il marche pas? Oh. Fait que là j'écoutais Novocaine de Frank Ocean. En tout cas, puis j'ai des écouteurs qui viennent avec. J'ai mes clés. Avec mon petit P5 que j'ai acheté chez Walmart. Il était 6$. Puis le petit D que j'ai acheté chez Jardin. Puis mes clés. Ça, c'est ma clé pour mon cadenas de vélo. C'est chez Oli, là. C'est pour mon frère, Olivier. Que oui, il essaie de battre en passant pour toutes les filles qui se demandent, là. Ça, c'est la clé qu'ils ont père, c'est vraiment cool, hein? C'est Belly Boop. Ça, c'est les genres de grosses, grosses clés, là, qui coûtent genre 8$ à faire. Puis ça, c'est une petite clé. Puis c'est écrit Happy Keys dessus. Can you see that? Je veux que ça focus. Non, en tout cas, c'est écrit Happy Keys dessus. C'est vraiment cool. Fait que ça, c'est ce qu'il y a dans mon sac d'école. Mais également, ce qu'il va y avoir dans une semaine, quand je vais commencer l'école. Il va y avoir ma calculatrice. Donc, moi, ok, à un moment donné, je pensais que j'avais perdu une. Finalement, maintenant, j'en ai deux parce que je l'ai retrouvée, mais je vais en acheter une. C'est la meilleure. Ok, en secondaire 1, c'est elle que j'ai eue. Puis, je m'en rachèterai jamais, non, parce que, premièrement, ça m'aurait du temps à apprendre comment ça marchait. Puis, elle est vraiment, vraiment bonne. Donc, c'est la Texas Instruments. Comme ça, c'est elle, ok. Puis, ce que j'adore, là, c'est que. Mettons, là. J'adore que c'est écrit ma formule, genre, puis là, il y a ma réponse. Comme je vois les deux en même temps. Moi, là, les calculatrices, là, t'écris la chose, puis... Ah, oh, en tout cas, non, gars. Ça, c'est mon coffre à crayon que j'ai tout le temps, OK? Dedans, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a. Oh, ça me rappelle l'école. Bon. Alors, Sharpie, highlighter, les souvenirs. Là, ok, je vais tout sortir pour faire ça en ordre, pour pas que ça soit tout mélangé. Là. J'en ai un rose, un jaune, un orange, un bleu. J'ai un autre? Non, c'est tout. Ok. J'ai une gomme effacée. Ça, c'est le meilleur, là, les Steeler. Sûrement, vous le savez. Est-ce que j'en ai deux, gomme effacée? Ben, j'ai aussi des petits bouts, là, de gomme effacée. Attends. Ah, un vieux bracelet. Parce que ça date tout de l'année passée. J'ai rien acheté pour cette année. Une règle, toujours important. Ça vient d'un kit de géométrie. Je sais pas où, mais c'est vrai. J'ai aussi des crayons de plusieurs couleurs parce que quand je prends des notes, surtout en mathématiques, là, pour faire des schémas, j'aime ça. Il y en manque un. Oh my god! J'ai perdu le plus beau! J'en avais un rose, je me rappelle. Bon. Ça, c'est vraiment triste. J'ai perdu le beau rose. Mais en tout cas, j'ai vert, orange et bleu pâle. Ok. J'ai aussi rouge, normal correction, bleu, normal marine, noir. Pour les. Comme les télérédactions, pis tout ça, là. Mais j'utilise pas vraiment noir parce que j'aime pas vraiment ça, pis ça ressemble vraiment au crayon à la mine. Sinon, j'ai aussi un crayon rose, là, que j'avais volé à ma meilleure amie. Ok. C'est un très beau rose. Mais c'est pas le même rose que l'autre que j'ai perdu. Ok. C'est différent. Là j'ai mon crayon Poussemine, rose, c'était pour le cancer du sein, donc c'est des Bic Reaction numéro 2. Puis c'est des mines 0.7 parce que on dirait qu'ils sont plus solides. Puis là j'ai le porte-mine et efface qui venait avec, genre je pense, ouais il venait avec parce que moi je l'aurais pas acheté par rapport.
Là, j'ai un petit crayon là, que j'ai volé aussi, je pense, dans le cours d'éducation physique ou quelque chose, parce que moi, j'achète pas des petits crayons de main. En tout cas, toujours utile. Puis c'est tout pour. Fait que j'adore le petit coffre crayon, il est vraiment cute, mais demandez-moi pas où est-ce que je l'ai acheté, parce que je sais pas, c'était à ma tante, puis ça date sûrement de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Sinon, j'ai un autre coffre crayon. Que là-dedans, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il y a. Ah! Ok, ça c'est le coffre crayon que j'amène dans les cours que je n'écoute pas. Et les mathématiques, parce que ma calculatrice est là. Mais j'écoute pas vraiment non plus en mathématiques, fait que. Ça. Donc, il y a une autre calculatrice, ça c'est celle que j'avais perdue. Fait que vous voyez, je l'ai dessinée dessus, il y avait mon nom que j'avais collé. Puis là, j'avais écrit. De ne pas, parce que mon professeur de mathématiques en secondaire 2, il voulait pas qu'on écrive pi, parce que dans chaque calculatrice, pi, ils ont pas les mêmes décimales, puis blabla, comme ils s'arrêtent pas au même nombre, tu sais, il y en a qui mettent 4,16 ou 3,1416, c'est ça, 14,16, je peux le dire, là. Puis il y en a qui mettent plus, en tout cas, fait que ça change les résultats, fait que là, je m'étais noté de pas écrire pi. J'avais même rayé le bouton pi, là, mais là ça s'est passé un petit peu là. Fait que j'écrivais juste 3,1416 en place. Parce que lui il est plein, j'avais même pas de marge d'erreur avec lui là. Fait que j'ai deux calculatrices. Ok, ça allait couper parce que j'ai trop filmé aujourd'hui. En tout cas, dans le reste, il y a des cartes à jouer. Parce que moi j'aime vraiment ça jouer aux cartes. Puis moi, ok... Toute ma vie. En tout cas, ok, en secondaire 1, j'étais dans une école privée. Fait que, tu sais, c'était un petit peu plus fort. Puis en secondaire 2 et 3, j'étais dans le programme d'éducation internationale que j'ai adoré. Mais en secondaire 4, j'ai décidé d'aller au régulier parce que je m'étais inscrite dans en CST. Puis il n'y a pas eu assez d'inscriptions au PEI en CST. Fait qu'il allait me mettre en SN. Sauf que moi, je suis pas vraiment bonne en maths, ok. Je pense toujours à 60, 65. Ce qui est... Puis la note de passage pour les Français, c'est 60%. Fait que j'allais pas aller dans un programme parce que les maths sont encore plus fortes, vous comprenez? Donc, j'ai juste décidé de d'aller au régulier. Puis je m'ennuie vraiment parce que je travaille plus vite que les autres en général. Fait que j'ai toujours mes petites cartes là avec moi dans les cours que je sais que j'ai m'ennuyer. Comme ça, je joue au solitaire ou je les brasse. Puis je suis devenue vraiment très très bonne à les brasser. Je vais vous montrer ça les premières brasses. Donc. Vous saviez pas que je pouvais faire ça. Mm-hmm. Ensuite, dans le reste de mon crème, ça en passant, c'est un sac de maquillage de clinique. Là. Au début de l'année dernière, je m'étais acheté. Des crayons Sharpie, un paquet de 12, je pense, crayons Sharpie. Puis ils sont vraiment, vraiment beaux. Puis comme c'est des Sharpies, puis ça transfère au bord des pages, j'utilise pas tant que ça. Fait qu'ils sont tous encore presque. Ben, pas tous encore presque, ils sont tous bons encore. Fait que, dans le fond, c'est ça. J'ai comme toutes les couleurs que tu peux avoir. Je suis sûre qu'il y a un paquet de 24. Hein. Moi, ça fait que avoir plusieurs teintes de vert ou de rose, ça me. T'sais. Fait que j'ai tout ça. Il y en avait aussi un noir, mais lui, je l'ai fini, là, c'est sûr. Parce que c'est pas le même que le noir que j'ai, là. Ça, c'est un gros, c'est petit, là, avec la mine fine, là. C'est des mines, je sais pas, là, ultra fine. Puis ça, je le garde là-dedans. Et ce que je garde aussi, c'est des crayons de bois. Si jamais je vais dessiner. Parce que des fois, ça m'arrive de dessiner. J'aime vraiment ça dessiner. Mamé, beurre! Cette année, je l'ai pas perdu, c'est pas cassé. J'ai acheté au Dollarama. Ouh, vous pouvez voir toute ma chambre, mais qu'est-ce que c'est? On sait pas trop. Fait que... ça que j'ai pour le bal, tout ce coup. C'est pas grand-chose. Toutes mes cartables, je les ai pas parce que... j'ai pas de liste, là, ils nous le donnent quand on aurait eu, là. Même ça, je trouve ça vraiment désorganisé, mais en tout cas... c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, sur ça, je vous dis ciao, à la prochaine!